Bonjour à toutes et à tous, je suis Tim de Space News. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 mars 2024. Il est 17h et j'ouvre la 13e visioconférence de la série Les Galactiques 2024. Le thème du jour est Nazca au Pérou, sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, les lignes et les géoglyphes sculptés dans le sol ou la roche. Je rappelle pour toutes celles et ceux qui ne le savent pas encore que toutes les informations que je communique dans les Galactiques 2024 sont strictement et uniquement extraterrestres, communiquées noir sur blanc et en audio, notamment avec mon contact Zen, conversation que j'ai enregistrée depuis le début de l'année 2016, donc 8 ans. De par le monde, de nombreuses figures gigantesques défiant les capacités humaines ont été créées dans de nombreux pays. Les agrogrammes, des cercles de culture ont commencé à apparaître à la fin des années 1960 en Australie, au Canada et en Angleterre. Mais il existe aussi des sculptures beaucoup plus anciennes. En Angleterre, le cheval blanc du Fington, au Brésil, ceux de la forêt amazonienne, au Chili, le géant d'Atacama, au Pérou, le chandelier de Paracas, en Russie, ceux de Sverdlovsk. On les appelle des géoglyphes parce que ces figures sont sculptées ou gravées à même le sol ou la roche. La première mention écrite connue des géoglyphes de Nazca fut faite en 1553, il y a donc presque 5 siècles, par le conquistador espagnol et chroniqueur du Pérou, Pedro Zieza de León. Mais ce dernier les prend pour des traces de pistes. Pourquoi? Tout simplement parce que ces figures gigantesques ne peuvent être vues et comprises entièrement que depuis l'espace et d'un point de vue aérien. Certains géoglyphes datent de plus de 3000 ans. Mais n'est-ce pas étrange que ces figures gigantesques ne puissent être vues dans leur ensemble que depuis un point de vue aérien? Alors que ce n'est que 2500 ans plus tard que l'aviation va se développer grâce aux premières conceptions de Léonard de Vinci au XVe siècle ou encore les inventions des frères Montgolfier au XVIIIe et les ornithoptères, les hommes-oiseaux du XIXe siècle. On peut donc logiquement se demander quel était l'intérêt il y a 3000 ans pour des humains archaïques de créer ces figures gigantesques. Mais était-ce bien eux qui les avaient créées avec les outils dont ils disposaient à l'époque? Et si ce n'est pas eux, qui les a créées et pourquoi? Revenons d'abord à ce à quoi ressemblait la surface de la Terre il y a 40 000 ans. À l'époque prédiluvienne, avant que l'eau de Tiamat ne tombe sur Terre. À cette époque, la Terre n'avait ni mer ni grand océan. On pouvait traverser la surface d'un côté à l'autre en marchant. Sa surface était très luxuriante, couverte de forêts et de plaines immenses. Il y avait d'innombrables rivières et des lacs sur une surface qui se trouve aujourd'hui au fond des océans. Dans les vallées basses, il y avait de petites mers internes semblable à la mer Caspienne. Certains lacs étaient connectés entre eux, d'autres non, et il y avait de l'eau douce et de l'eau salée. L'écosystème terrestre fonctionnait différemment. L'oxygène était principalement produit par les forêts, les marécages et les prairies verdoyantes qui couvraient plus de 80% de la surface terrestre. Alors qu'aujourd'hui, la majeure partie de l'oxygène provient des mers. Là où se trouvent les océans actuels, il y avait 5 continents qui s'appelaient Oceania, Appalachia, Tyriana, Fennoscandia
et Beringia. Le continent océanien s'étendait sur la quasi-totalité de ce qui est aujourd'hui l'océan Pacifique, des parties de l'océan Indien, y compris l'Australie. Ce n'étaient pas des océans, mais des terres. Le pôle Nord se trouvait dans le Pacifique et le pôle Sud, là où se trouve aujourd'hui le Canada. C'était inversé. La planète est méconnaissable parce que les pôles se sont inversés pendant la grande catastrophe de Mars et de Tiamat. Ce qui est aujourd'hui le pôle Sud n'était pas couvert de glace à l'époque, ni le Groenland, qui avait une grande mer centrale, d'où son nom, Greenland, la terre verte. L'Arctique avait un climat tropical similaire à celui de l'Australie, couvert d'arbres et grouillant de vie. La Terre, comme le reste des planètes, n'a pas de noyau compact, mais elle est pleine de grandes cavités ou de voûtes, semblables à un morceau de gruyère. Certaines voûtes et grottes, comme celle de Song Dong au Vietnam, sont aussi vastes qu'un pays en surface, et elles sont alimentées par leur lumière naturelle provenant de sources photoluminescentes et volcaniques. Ils sont même appelés continents intérieurs en raison de leur taille. À cette époque, ces cavités étaient habitées par différentes espèces. Les plus avancées étaient les Vulcains, aussi appelés plus tard les Télosiens ou les Agartiens, une race intraterrestre très ancienne et similaire en apparence à la race lyrienne et aux humains terriens. Mais ces grottes naturelles étaient aussi occupées par différentes races reptiliennes plus petites, qui ne faisaient pas plus d'un mètre de haut et qui étaient organisées en sociétés primitives. Peu de temps après l'arrivée des premiers lyriens sur Terre qui fuyaient la colonisation de leur système stellaire Vega, un premier groupe de reptiliens appelé les Usungal, qui les poursuivait, est également arrivé sur Terre. Les reptiliens se sont installés sur le continent des Appalaches, y créant leur première base ou colonie sur Terre. Ils s'étaient aussi installés sur d'autres planètes de notre système solaire, y compris sur certaines îles de la planète Tiamat et sur Mars, malgré le fait que, dans cette dernière, il y avait déjà une colonie de mantes séparatistes du conseil d'Ojalou. Les Usungal ont essayé de coloniser les lunes de Jupiter. Ils y ont trouvé les Charistus et n'ont pas eu d'autre choix que de se retirer. Depuis leur arrivée sur Terre, les reptiliens ont continué de traquer les équipages lyriens à tel point qu'il fut un temps où l'espèce lyrienne ne comptait plus que 8 femmes. Au cours de cette période, certains lyriens avaient pu échapper à l'oppression des reptiles et s'étaient enfuis sur le continent océanien. Peu de temps après, certaines races lyriennes du groupe des Pléiades y sont également arrivées avec l'objectif principal d'aider les humanités de cette époque. La colonie d'Océana se répandait, formant toute une civilisation qui s'est appelée la Lémurie, dont la capitale était Mu, une civilisation composée de séparatistes lyriens de l'Atlantide et ayant l'intention de devenir une résistance pour faire face à la tyrannie des reptiles et des adamites, des esclaves libres. Leur société était matriarcale, holistique et holographiques. Elles étaient menées par des femmes. Elle fut influencée par les lignées pléiadiennes, elles-mêmes matriarcales, qui arrivèrent également, comme les Solaciens du système Pléion, les Tégétans du système Tégète et les Angans du système Electra. De nombreuses années plus tard, il y a environ 20 000 ans, une deuxième vague de reptiliens est arrivée. Parmi eux, il y avait les alpha-draconiens, les dragons, et les draconiens, les crocodiles bipèdes. Les reptiliens, la lignée reptilienne, continuaient à former des colonies sur Terre en s'étendant de plus en plus jusqu'à former une civilisation planétaire que vous connaissez
sous le nom de l'Atlantide. Leur capitale se nommait Atlantis. Elle avait de grandes villes dans de nombreuses régions du globe, ainsi que des ports spatiaux et de vastes mines où les Lyriens, transformés en race adamite, étaient utilisés comme esclaves, forcés de devenir mineurs de minéraux et d'or. Bien que les différentes races sauroïdes aient été aux commandes dans les colonies, il y avait d'autres petites colonies qui se formaient et qui avaient reçu du gouvernement de l'Atlantide la permission de s'y installer, car ils voulaient faire de l'Atlantide une civilisation multirace et multiculturelle. L'Atlantide et la Lémurie sont devenus de nos jours l'Occident et l'Orient en lutte perpétuelle. Il y a environ 15 000 ans, l'Atlantide battait son plein, s'épanouissant partout sur la planète et devenant une civilisation d'une grande influence planétaire. Elle avait plusieurs aéroports ou cosmoports spatiaux, dont les principaux étaient en Égypte et ce que l'on appelle les géoglyphes de Nazca au Pérou. Les figures que vous voyez dans l'image derrière moi ne sont pas des animaux, ce sont des constellations célestes, ce sont des cartes stellaires qui doivent être vues depuis le ciel. Un numéro 1 avec le singe, un numéro 2 avec le colibri et un numéro 3 là-haut avec un genre d'oiseau. Elles ont été sculptées sur le sol grâce à la technologie des rayons tracteurs depuis un vaisseau spatial. C'est la même technique utilisée pour les aérogrammes, les cercles de culture qui apparaissent dans les champs de blé. À Nazca, au total, il y a plus de 350 figures qui franchissent les ravins sur 50 km, escaladent les collines sans que leur forme ni la rectitude apparente des lignes en soient affectées, comme vous le voyez dans l'image derrière moi. La plupart des figures sont constituées d'une seule ligne qui ne se recoupe jamais. Il faut de la précision pour les sculpter. Il faut la connaissance de mathématiques, géographiques, la connaissance des étoiles, du cosmos. Il faut des machines pour le faire, pour les faire, et des outils adéquats. Tout comme les pyramides, ces figures sont conçues pour être vues depuis l'espace. Elles sont gigantesques pour être repérées par des vaisseaux spatiaux. Elles n'ont pas été construites par des Homo sapiens qui n'avaient absolument pas ni les connaissances, ni les machines, ni les outils pour les faire. Voyons quelques exemples dans l'image que vous voyez derrière moi. Le numéro 1, le singe. La queue en spirale représente un tor, c'est-à-dire un portail stellaire. Il y a en tout 15 appas 10, 5 doigts à la main gauche, 4 à la droite et 6 orteils qui représentent 15 pistes d'atterrissage ou de stationnement. Le numéro 2, le colibri n'en est pas un, c'est une colombe qui représente la constellation Columba, le bec allongé, comme une longue piste d'atterrissage indique la manière dont il faut présenter l'appareil. Il y a 16 appendices, donc 16 pistes et aires de stationnement. L'oiseau tout en haut représente un aigle et la constellation Aquila, située sur l'équateur céleste. Son soleil le plus brillant est Alter. Il y a 9 pistes d'atterrissage et de stationnement. Chaque figure a des caractéristiques différentes parce qu'elles font référence à différentes constellations. Les figures font partie d'un code très ancien qui vise à faciliter la communication d'informations aériennes et spatiales entre les différentes lignées extraterrestres présentes sur Terre à cette époque. Chaque lignée a construit son propre cosmoport pour pouvoir atterrir sur Terre en toute sécurité et ils l'ont fait à la manière de leur constellation. Les longues lignes droites sont des routes de trafic de vaisseaux spatiaux qui naviguent entre les différentes constellations
dans l'espace et des itinéraires vus depuis l'espace. Le code transmis est mathématique, mais sur une base 12, ce qui complique la compréhension pour les terriens qui sont en base 10. Les longues lignes droites qui se croisent entre les figures s'entrecroisent selon des angles spécifiques qui transmettent des informations d'approche telles que latitude et la distance avec d'autres bases extraterrestres proches ou plus éloignées, comme la base stellaire de Gizeh. Géométriquement, Nazca pointe vers Gizeh. Les lignes épaisses sont des aires de stationnement qui indiquent aux vaisseaux où ils doivent se garer en fonction de leur taille, de leur masse, de leur volume ou de leur utilisation. Les vaisseaux cargo, par exemple, sont orientés vers une zone spécifique. Les vaisseaux de travail ou d'études sur une autre. Les vaisseaux scientifiques sur une autre encore. Les vaisseaux civils d'un côté et les vaisseaux militaires de l'autre. Les détails concernant le parking exact où chaque vaisseau doit se garer ou arriver en approche sont indiqués par ordinateur à partir d'une base souterraine. Il n'y a pas de tour de contrôle car les contrôleurs étaient souterrains et tout est géré grâce à des hologrammes ultra détaillés. Les salles de contrôle comportaient des ordinateurs placés en demi-cercle autour d'un énorme hologramme central. La taille de l'hologramme varie selon les besoins et en fonction de la base, c'est-à-dire de la région, du cosmoport ou de la planète Terre entière, ou un hologramme de leur propre planète. Ensuite, chaque vaisseau spatial apparaît en approche à l'atterrissage avec de petits caractères, donc sur l'hologramme, indiquant ce qu'il est, où il est, ses données de vitesse, de vecteur, de hauteur, de taux d'ascension et d'autres données. Ils sont dirigés à partir de ces hologrammes en leur indiquant quel changement ils devaient faire et l'endroit exact où ils devaient atterrir. Exactement comme de nos jours, la tour de contrôle d'un aéroport va communiquer à un avion en atterrissage les coordonnées exactes, la piste et les indications pour que les atterrissages se fassent en douceur. En résumé, les lignes de Nazca sont des informations, des guides de manœuvre, des positions, des coordonnées, des vecteurs de mouvement et des aires de stationnement pour les grands et les petits vaisseaux spatiaux. Donc, en un seul mot, ce sont des cosmoports extraterrestres construits par des lignées extraterrestres qui ont reproduit leur constellation et leur manière d'atterrir sur Terre. Voilà, j'ai terminé.